Bonjour, bonsoir, chers internautes. C'est votre professeur spirituel, Ahmed Akile, toujours disponible pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je tiens d'abord à remercier tous mes abonnés. Je tiens à remercier ces nouveaux abonnés-là. Et je demande à tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés à ma chaîne de s'abonner encore plus. De s'abonner encore plus et de partager mes vidéos. Partager la vidéo. Faites agrandir la famille. Nous avons déjà un site web www.professeurahmed.com. Abonnez-vous aussi. Abonnez-vous à nos pages Facebook, à nos pages Instagram. Abonnez-vous. Je tiens à vous souhaiter mes voeux les plus sincères, surtout les voeux de santé. Surtout les voeux de santé et le reste viendra. Et je tiens à vous demander d'exercer deux choses capitales dans cette nouvelle année, la sagesse et le pardon. La sagesse et le pardon. En dehors de ça, je tiens à faire des reproches à ceux-là qui se disent chrétiens, chrétiennes, serviteurs de Dieu. Ces mêmes personnes reviennent encore me demander des choses. Ils ont tant critiqué les recettes, mais pourtant ces mêmes personnes sont revenues à la base et savent aujourd'hui que l'Afrique est dotée d'un grand pouvoir et c'est un pouvoir naturel. Donc, ceux-là, on les pardonne pour tout ce qu'ils ont eu à faire l'année dernière. En cette nouvelle année, j'espère qu'ils prendront conscience et que chacun de nous fasse quelque chose de bien durant ces 365 jours à venir. Engagez-vous à résoudre tous vos problèmes de n'importe quel ordre. Tous vos problèmes spirituels, engagez-vous à les régler. Parce qu'il vous faut plus d'engagement afin de réussir cette nouvelle année. Je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Nous voici dans la nouvelle année. Nous allons débuter les choses. Et nous allons commencer par un pain de purification très efficace et très simple. Vous êtes déjà au bout. Et rien ne marche. Vous savez déjà depuis l'année dernière que rien ne marche. Vous n'avez pas de boulot, pas de partenaire fiable, vous n'avez pas la chance dans vos affaires, vous avez la maison, vous avez des problèmes financiers. Ce bien se fait avec un balai traditionnel que vous utilisez dans votre chambre, vous balayez votre chambre avec. Et un seau d'eau, bon, je ne pourrais pas, j'ai juste pris un récipient, un seau d'eau, un seau d'eau que vous voyez. Le soir, avant de vous coucher, vous mettez ce balai-là dans le seau d'eau et vous déposez dans la douche où vous vous touchez. Quand vous déposez dans la douche, le lendemain, très tôt, le matin, aux environs de 6 heures, vous enlevez le balai et vous vous douchez avec l'eau qui est dans le seau. Autant de fois que vous vous sentez mal, tout en faisant une prière autoritaire et formulez vos voeux de bonheur. Ce bain se fait sans savon ni éponge. Vous ne vous essuyez pas le corps. Il a pour effet de balayer toute impureté de vous qui vous empêche d'évoluer sur la terre. À partir de ce jour, les portes fermées s'ouvriront pour vous et la chance vous sourira. Ce bain est très efficace. Ne ratez pas ce bain et ne restez pas à la maison pour dire ça n'a pas marché. Allez chercher du travail. Allez dans votre boutique pour faire briller votre étoile avec votre volonté. Allez chercher tout ce que vous sortez quand vous finissez le bain. Ne croisez pas les bras là, vous dites non, c'est pas magique, non, c'est pas comme ça. Sortez et vous-même vous verrez les opportunités que vous aurez. Les portes qui vous seront ouvertes à partir de cette nouvelle année, tout changera dans votre vie. Ceux qui n'ont pas d'enfants auront d'enfants. Ceux qui n'ont pas de mari ni de femme l'auront. Tout changera dans votre vie. Toujours votre professeur Ahmed Akileye, au plus 229 96 79 60 42. 96 79 60 42. Contactez-moi pour tous vos problèmes. Je vous ai déjà dit, notre page Facebook, c'est professeur Ahmed Akileye. Notre compte Instagram, c'est professeur Ahmed Akileye. Notre site web, c'est www.professeurahmed.com. Le compte Facebook, c'est Ahmed Akileye. Faites-nous confiance
et vous ne serez pas déçus. Que la bénédiction soit avec vous en cette nouvelle année qui vient de débuter.